passionné. Fou. Ouais. Un peu fou. Passionné parce que globalement, si tu n'aimes pas le domaine dans lequel tu cherches, complètement idiot. Alors, moi j'ai envie de dire cette phrase-là, il faudrait la remplacer. Elle est contexte dépendant et ouais. Elle dépend du temps dans lequel tu te situes. Ouais, c'est un peu maso, ouais, je pense. Il fallait être maso, faut être maso de nos jours. Je sais pas. Justement, c'est peut-être la simplicité aussi. Bah c'est justement peut-être la passion qu'on va avoir pour son domaine qui nous permet de passer au-delà de ce qu'il y a. Pas avoir peur aussi d'être compris par rapport à la personne. Pas avoir peur d'être compris par personne. Voilà, c'est ça. Mais la phrase était totalement logique. C'est aussi un peu la liberté aussi. Quelque part, tu choisis. Tu es plus maître de ce que tu fais. Tu peux éventuellement t'orienter sur tes recherches, tes projets, ton endroit, éventuellement. Passionné, curieux. Pour être chercheur, il faut avoir l'esprit ouvert, l'esprit curieux, être un peu méthodique, mais surtout avoir une grande curiosité et une grande ouverture d'esprit. Je vais redire curieux, comme tout à l'heure, passionné, ingénieux, passion aussi, ouais. Observateur. Intelligent, par contre, c'est pas nécessaire. Je peux boire un seul. Avec moi-même. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on comptait faire, de toute façon, boire un verre. Ouais, ouais. Voilà, tu vas boire un verre avec trois chercheurs. Voilà. Ouais. Alors, c'est bien parce que. Un par chercheur, les chercheurs, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont sympas. On est vachement bien pour aller boire un verre avec eux. Ils sont pas modestes, par contre. Oui, venez boire un verre avec moi. Ouais, je pense qu'on va peut-être même pas attendre d'être sorti. On a commencé avant, on va faire après. Et pendant, on verra. Mais oui, nous t'inquiète. C'est au bar que se trouvent les meilleures idées de recherche. Et les meilleurs chercheurs. Et les meilleurs chercheurs, on verra. C'est fini, merci, et bonne musique. Et bah c'était un plaisir. Ciao. Ciao les tweetos.